acheté ça pour travailler dans la nuit. C'est une lampe, quoi. Et il y a une fonction rigolote que je n'explique pas. À quoi ça sert dans le monde du travail C'est pas interdit? C'est pas interdit d'avoir des lampes comme ça? Bon, du coup, à chaque fois je t'explique ce que je vais faire, puis en fait, en fait, tu l'as fait, c'est écrit là, quoi. C'est écrit épisode 5, on fait ça, hashtag vanlife, enfin, tu... Je sais pas pourquoi je t'explique à chaque fois, quoi. C'est vraiment bien. Il y a un petit deux petits centimètres là de. Il y a deux petits centimètres de décalage. Pas exactement la même épaisseur. Mais ça gêne pas parce que ça tombe pile au niveau des genoux. Donc ça gêne pas. Ça gêne pas du tout. Meilleur plat de pâtes, meilleure sauce, cacio e pepe. Je suis sûr que tu connais même pas cette sauce. Moi, je la connaissais pas il y a 3 mois. C'est la base de toutes les sauces. C'est celle où il y a le moins d'ingrédients. C'est celle qui a le plus. C'est celle qui a le meilleur goût. C'est la base de toutes les sauces. C'est ce qui a donné création à de nouvelles sauces après ça. Une fois je te la fais, je te fais une petite vidéo recette. Spaghetti cacio e pepe dans le van. Ça me donnera surtout une idée de vidéo, quoi. Quoi faire? T'as pas une idée, toi? Wesh, non, ça c'est non. Tu me saoules!
Je sais pas quoi faire. Le rajout matelas est trop grand. Je me suis dit, le rajout, je le coupe en deux, je fais deux coussins de banquette, mais c'est quand même trop grand. En fait, c'est trop épais, c'est pas agréable de s'asseoir sur un truc de 20 cm, quoi. Maintenant que j'ai de toute façon coupé en deux, je vais avoir un coussin. Peut-être qu'une fois qu'il sera houssé, bien tendu, bien serré comme un petit boudin, peut-être ça sera plus agréable. Mais donc j'ai un coussin pour l'assise WC, un coussin pour ça, mais c'est pas confortable, quoi. Enfin, là, donc à moins d'avoir plusieurs coussins, trois coussins, ça veut dire que j'en ai encore un que je sais pas quoi faire avec. Bon, bah on va tenter des trucs, et puis si j'ai foutu en l'air un matelas à 15 francs, bah... pardon, c'est jamais 15 francs, pour mes amis de France, ça fait ça, voilà, c'est ça, c'est ça. Je voulais savoir, comment ça se fait que t'es pas abonné? Non, parce que, bon, non, enfin, pas toi, toi je sais que t'es abonné, mais tous ces gens-là, vous regardez mes vidéos et vous êtes pas abonné? Mais il se passe quoi? Mais ça me vexe. Allez, tu mets pause? Non, tu sais quoi, même pas pause, juste abonne-toi, je t'attends. Voilà. Ce côté-là, il est validé. C'est très confortable. Après, c'est très moche, mais c'est très confortable. Ça c'est chiant, ça. Je crois que je vais tenter de le couper en deux. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien, viens voir. Bon, alors ce côté-là, il est complètement ridicule. Hein. Comme ça, on dirait un petit trône. Mais c'est assez agréable. Et puis ce côté-là aussi. Franchement, ce côté-là est pas mal. Bon, là, oui, je sais, tu te dis, ouais, mais bon, mais tiens, une fois que ce sera un peu serré comme ça, ça passera juste. Et surtout, on n'oublie pas de faire comme si tout était prévu. Oh, comme c'est bien. Oh, il manquerait vraiment qu'une seule chose. Une table coulissante.
Bah, c'est pas trop mal, hein, franchement. Ça coince un peu, mais bon, faut que je finisse de la poncer. Que je la vernisse. Et puis ensuite, ça coulissera très bien. Je me réjouis. C'est cool, enfin. Bah voilà. Alors, dernière prochaine étape, ça sera finir d'installer la table quand elle sera bien terminée. Finir les coussins. Enfin, les faire des housses. Ranger. Ce serait peut-être bien. Surtout te faire cette recette là. Comme d'habitude, eh ben écoute, abonne-toi. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui aime les pâtes. Et à tout vite. Ciao.